Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Aujourd'hui, je vous propose la recette d'un tagine très facile à faire et savoureux, le tagine au cardan. C'est un plat qu'on peut préparer avec la viande de son choix, soit du veau, soit de l'agneau, soit du bœuf, avec des épices, du citron confit et des olives. Pour les ingrédients, il nous faut 500 g de viande, un gros oignon ciselé et 2 gousses d'ail râpées, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de sel. Un citron confit et des olives violettes. Entre 500 et 600 g de cardon lavé, nettoyé, qu'on laisse tremper dans une eau citronnée. Et une cuillère à soupe de mélange de persil et de coriandre. Dans une casserole, je fais bouillir de l'eau. Je rajoute le jus d'un demi-citron et un peu de sel. Et je plonge dedans mes cardons pendant 5 minutes. Après les 5 minutes, je retire les cardons de l'eau et je laisse de côté. Dans une cocotte, je vais verser un verre d'eau. Je vais rajouter le curcuma, le gingembre, le poivre, le sel, l'ail et la viande et je fais revenir quelques minutes. Ensuite, je vais rajouter l'oignon, le persil et la coriandre, l'huile d'olive et je couvre avec de l'eau. Je couvre et je laisse cuire à peu près 35 minutes. Après les 35 minutes de cuisson, je vais rajouter les cardons blanchis. Je couvre de nouveau avec de l'eau et je vais laisser cuire entre 40 et 50 minutes en vérifiant la cuisson de temps en temps. Après la cuisson de la viande et des cardons, je vais rajouter les citrons confits ainsi que les olives violettes. Je recouvre de nouveau et je laisse encore 5 minutes. Il ne vous reste plus qu'à déguster votre tagine bien chaud. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur Instagram et Twitter. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.